qu'il y aurait une évaluation et le nouveau système. La fin de l'application TAO, l'évaluation des formateurs. La formation, vous parlez de la formation, ça. Nous avons maintenant à peu près 35 formateurs au niveau du conseil régional. Au niveau national, on a formé 70. C'est 6 animateurs qui ont eu la chance de suivre la formation animée par des experts français, les années 2006 et 2007, qui sont maintenant, c'est grâce à ces animateurs que nous avons lancé ces actions de formation au niveau des entreprises, au niveau des professionnels. Maintenant, le programme TANA, on est en train d'arrêter un programme de formation des formateurs, des professionnels. On va former plusieurs, à peu près 150-200 formateurs. Et c'est ces gens-là qui vont prendre là. Et ça, c'est la formation, c'est comme une boule de neige. Celui qui forme 5-6 et les autres, ils vont former les autres. Et 5-6, c'est ça. Est-ce que c'est suffisant d'ici de 2009? Non, c'est-à-dire que la formation va commencer à partir du 1er janvier 2009. Non, en général. La vraie formation va commencer à partir du 1er janvier 2009. Mais l'application sera aussi... L'application va se faire avec des difficultés, je suis d'accord, mais va se faire quand même. Voilà. Après une évaluation. Évaluation, qu'est-ce que vous voulez dire? Évaluation après l'application. Peut-être chaque fin d'année, le ministère des Finances qui est chargé de l'Afghanistan va évaluer avec bien sûr. On va le faire. D'accord. Et on va porter des corrections. Il y a des charges de paiement.